Salut les potos, ici le Filou. Aujourd'hui, on va parler du chaos qui a eu lieu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. La France se voile-t-elle la face en ce qui concerne sa délinquance? Les politiques cherchent-ils à tout prix à cacher la vérité, au risque de perdre le peu de confiance qu'ont en eux les Français? La police est-elle encore là pour défendre les honnêtes citoyens? Suite au fiasco, au carnage, comme certains médias étrangers appellent ça, qui vient d'avoir lieu au Stade de France, on peut en effet se poser ce genre de questions. Aujourd'hui, l'État ne fait plus face à de simples citoyens français excédés par l'insécurité. Eux, non, on les balaye d'un revers de main. Mais doivent se défendre contre deux pays très en colère, l'Angleterre et l'Espagne, qui dénoncent la gestion calamiteuse du match au Stade de France. Pour rappel, lors de la finale de la Ligue des Champions, des milliers de touristes ont été volés, agressés, voire violés par des bandes. Mais en plus de ça, les Anglais et les Espagnols dénoncent le comportement de la police qui les aurait pris pour cible sans discernement. Donc d'un côté, ils se font agresser et voler par des bandes, et de l'autre, attaqués par la police. Grosse pilule rouge pour ces pauvres touristes qui venaient simplement voir un match de foot dans la ville la plus touristique du monde. Pourtant, Thierry Henry les avait prévenus. It's not Paris. Trust me, you don't want to be in Saint-Denis. It's not the same as Paris. Yes. Micah. Trust me. Marvin Matip, le frère du défenseur de Liverpool, Joël Matip, a raconté avoir dû se réfugier dans un restaurant avec sa femme enceinte pour échapper non pas aux racailles, mais aux lacrymogènes dispersés dans leur direction. Jason Burt, chef de la rubrique football du journal The Telegraph, a raconté « J'étais devant la porte Y quand j'ai été pris dans les gaz lacrymogènes utilisés sans discernement par la police anti-émeute française au Stade de France. Je parlais des supporters qui attendaient tranquillement, certains depuis 3 heures, et quand ils ont atteint mon visage, me piquant les yeux, mes lèvres et ma langue, je n'arrivais pas à y croire. C'était absolument honteux. » Quelques vidéos semblent aussi aller dans ce sens. Bizarrement, alors que les Anglais prennent clairement cher, les racailles s'en sortent sans problème et réussissent même à rentrer dans le stade, à sautant par-dessus les grilles. Es que sigue colándose gente, es histórico, de verdad, ¿eh? Voy a mandaros vídeos. Vale, me puede dar paso cuando quiera. Está saliendo la gente en masa, parece esto. Es alucinante, ¿eh? Merece la pena contarlo. Vale, vale. Que répond le gouvernement face à ça? Vont-ils essayer de calmer les tensions? Bah non. Darmanin affirme que tous les problèmes viennent du fait que, tenez-vous bien, de nombreux supporters anglais ont tenté de rentrer avec de faux billets. La ministre du Sport réitère et en rajoute même un peu. La France a un vrai savoir-faire pour organiser des grands événements sportifs donc internationaux. Pourquoi vous ne parlez pas des bandes de jeunes de quartier, des voyous qui sont venus escalader les grilles, bousculer les familles, voler des portables? Pourquoi? On doit prendre la mesure de l'ensemble des choses qui se sont passées. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques du club de Liverpool sans billets ou avec des billets falsifiés. Cette masse de personnes, entre 30 et 40 000 personnes, 30 et 40 000 personnes, c'est considérable. Quand on a une capacité Stade de France à 80 000, c'est plus de 45% de sureffectifs. Donc 40 000 gars se sont dit, on va se payer le voyage jusqu'en France et tenter de rentrer dans le stade avec des faux billets. On ne sait jamais
Sur un malentendu, ça peut marcher. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et alors qu'on pourrait se dire que le ridicule ne pouvait pas aller plus loin, Darmanin a répété il y a quelques heures que les problèmes sont bien liés aux Anglais, avec de faux billets, et mieux, que des morts ont été évitées grâce à la police. Alors, c'est peut-être vrai, mais louer l'organisation policière suite à ce chaos, c'est quand même très osé. Finalement, et bizarrement, sur toutes les gardes à vue qui se sont prolongées, aucune pour faux billets, et aucun Anglais dans le lot. Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo, et si vous l'avez regardée en entier, abonnez-vous à ma chaîne, c'est ce qui motive le plus à faire de nouvelles vidéos. Bye!